Ouais. Là, je vois ma bière. C'est un peu comme un... Ouais, je suis un peu en contre-jour. C'est un peu comme un open house que je suis en train de faire avec vous autres. C'est pour ça qu'il y a de la bière qui traîne un peu partout. Pour moi, c'est comme le party. C'est l'aboutissement d'un beau projet qui a pris toute mon été. Mais enfin, j'y suis arrivé. Au-delà que l'aménagement est quand même pas mal optimisé, ce que j'ai surtout pensé, c'est que chaque chose qu'on rouvre
puisse servir de tablette. De tablette pour le café, pour la bière, pour le vin. Ça. Ça peut aller là. Quand on est en train de cuisiner. Sinon, mettons, on peut choisir une tablette. Là, comme c'est là, moi ici, j'ai mon petit poêle là, qui est en train de rôtir mes petites patates que j'étais en train de manger, qui, dans le fond, ils ont fini de rôtir. Oh! Une autre petite place. Une autre petite place. Ça se trouve être ici. Puis la petite corne. Ça, je trouve que ça a de la classe. Ce qui est le fun avec des cordes de même, c'est que c'est pas les petites chaînettes que des fois qui vendent là, en métal. Puis quand on roule, là, ça sonne. Ça, c'est silencieux. Ça coûte rien. Ça fait différent. Ça marche super bien. Ça, ça peut servir à notre petite coupe de vin. Ou là, comme c'est là, ben moi, j'ai comme un paquet d'affaires. Là, tu sais, j'ai des trucs pour grignoter. Des petits biscuits pour grignoter. Tu sais, à la limite, là, ça peut tenir. Tu sais, pendant que je cuisine, je mets mon huile là. C'est comme une extension dans le fond du comptoir qui est ici. Tu sais, pouf, pouf. Ça. Une autre petite tablette. J'ai la même affaire de l'autre côté. Là, comme c'est là, le setup est fait pour cuisiner. Mais tu sais, des fois, en après-midi, on arrive à quelque part, on rouvre les portes, on mène notre petit vignier direct ici. La coupe de vin est tout le temps sur le bord. Sors le petit vignier. On va serrer un peu le bordel. Ça, ça, ça. Fait que tu sais, tu arrives à la plage, là. Sors ça. Tu remplis ta coupe. Tu remets ça direct ici. Bang! Party est commencé. Après ça, ouais. Ça aussi, c'est un setup quand même que j'ai trouvé, tant qu'à l'avoir, le fun à faire. Ça sert souvent le matin, mais ça peut servir d'après-midi aussi. C'est que ici, dans le fond, c'est une porte qui cache notre toilette portative sèche qu'on met de la rip dedans. Quand on la rouvre, c'est une porte. Mais je vous ai montré tout à l'heure la petite patte. Ça peut servir à bien des choses, comme le matin. Bien, tu peux mettre ton café ici pendant que tu es assis et que tu relaxes un peu en regardant le paysage. Dans l'après-midi, tu es debout avec une gang de chums, tu fais le tour du véhicule. Bien, n'importe qui peut déposer son petit breuvage ici. Tu peux empiler 4, 5, 6. Fait que pendant que tu jases avec tes chums ou avec ta blonde, comme moi souvent, c'est Adélard que je traîne en vacances ou c'est elle qui me traîne, je ne sais pas trop. Mais pendant qu'on regarde le paysage, parce qu'on a ouvert la porte sur ce bord-là, c'est fait pour ça. Tu arrives, mettons, sur le bord de la rue, tu te parques sur le bord du trottoir, tu rouvres la porte, tu as la vue. Fait que c'est tout souvent de ce bord-ci que ça va se passer. Fait que c'est pour ça qu'il y a une tablette supplémentaire. Moi, dans le fond, quand j'ai fait cette vanne-là, ce que je voulais, c'était surtout faire la menuiserie la plus belle possible, tout en me servant ce que le véhicule avait déjà. L'éclairage, mettons. Ça, c'est d'origine. Ça aussi. Ça fait que pourquoi ne pas s'en servir? Tu sais, c'est là. Ça me tente. Je voulais pas investir du temps dans l'aménagement d'un système solaire avec des batteries, des convertisseurs, des inverseurs de charge, des contrôleurs de charge. Ça aurait été. Déjà que ça m'a pris au moins un 120 heures d'aménagement, si c'est pas plus, c'est pas 150 heures. S'il aurait fallu que je rajoute en plus de ça encore plus d'électricité puis de mécanique, j'ai décidé d'y aller plus top menuiserie, penser à tous les petits détails. Tu sais, comme les tablettes, là, ça a l'air de rien, mais ça sert à toutes les sauces.
Comme ça peut être une extension de plan de travail, ça peut être une tablette pour porter nos breuvages, ça peut être une... surtout comme celle-là ici, là. Celle-là ici, elle nous sert gros à... Tu sais, on sort du stock, des fois, on n'a pas tout à fait la place pour pouvoir la mettre, tu sais. C'est pas tant aisé de mettre de l'huile sur notre couvre-lit. Fait qu'on va servir de ça comme extension pour notre comptoir qu'on n'a pas. Parce que déjà, celui-là, on sert pour couper des légumes. Celui-là, on sert pour cuire nos affaires. Fait que... ça sert, vraiment. Puis même affaire, la petite table à café, l'autre bord, le matin, là, c'est vraiment le fun. Quand je suis allé le matin, j'en ai profité. Tu rouvres ta petite table ici. Tu déposes ton café. Tu relaxes le matin tranquillement. T'as pas trop, moi, en tout cas, je suis le même. J'étais un peu sauvage le matin. J'ai pas trop le goût de voir du monde. Tant que j'ai pas pris mes deux cafés, je suis pas parlable. Fait que je peux rester dans ma petite bulle, super confortable avec le divan, le lit. La petite table qui est là, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, est là. Notre café est toujours à la bonne place. Tu t'étires, tu relaxes, tu regardes dehors. Tant que j'ai pas pris mes deux cafés, moi, je sors pas de là. Ça a été ben de la conception. Chaque matin, même le soir, avant de continuer ma journée, je réfléchissais à tous les petits détails que je pouvais pas optimiser. C'est niaiseux, là. Mais tu sais, juste cette petite tablette-là, ça sert en tabarouette, là. C'est vraiment pratique. Tu sais, au lieu d'essayer de fermer ça bien carré, genre, puis pas profiter du fait qu'on puisse avoir cette extension-là pour porter nos tablettes, porter nos gobelets, nos canettes et nos verres. Tu sais, j'aurais pu juste fermer ça bien carré, mais j'ai dit tant qu'à l'avoir, on s'en sert, puis vraiment, c'est super pratique. Puis en même temps, je m'en étais pas rendu compte à l'usage, je m'en rends compte, là. C'est que quand on ferme cette porte-là, avec l'autre, ça arrive flush au derrière de notre lit. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va tomber entre la porte et le système de rangement. Ça sert un peu à... c'est pas une table de chevet, mais c'est à la limite, on peut servir de ça quand on dort pour déposer nos bouteilles d'eau. Mais c'est un paquet de petites choses que je me suis rendu compte que ça valait la peine de prendre le temps de réfléchir puis de designer, concevoir, essayer d'innover un peu pour avoir quelque chose dans un petit véhicule qui est vraiment au-delà de ce qu'on peut attendre d'un véhicule. Même quand tu rouvres la porte, c'est vraiment surprenant la qualité que j'ai pu pouvoir sortir de cette conception-là, plus l'optimisation. Là, on peut faire un paquet d'affaires, surtout, tu sais, on le voit en avant, les sièges, là, de la manière qu'on peut les concevoir. On peut avoir un chilling spot, on peut avoir un lit solo en permanence quand on conduit, on rouvre la porte, puis on peut tout de suite se coucher si on veut, mettons, relaxer de notre grande run. Ça peut servir de sofa, mais de sofa, de causeuse fauteuil. En même temps, on a du rangement. Ça a l'air de rien, mais je suis capable de mettre dans ce setup-là 6 bacs de même. Ça veut dire, comme c'est là, vous l'avez vu, j'en ai un qui est pour la rip, que j'ai pas le choix, vu que moi, j'aime ça avoir une toilette sèche, que j'ai pas besoin de rentrer dans un dépanneur. On sait jamais, là, de ce temps-ci, comment qu'on doit gérer ça. Ça fait que je suis autonome à ce niveau-là. Moi et Adèle, on a chacun nos bacs de rangement. Après ça, on pourrait servir d'un bac pour nos souliers, mais on a décidé à la place de les mettre en arrière de nos sièges. On a de la place, on les met là. Mais j'ai un bac pour des accessoires de cuisine. J'ai un bac pour un petit peu avoir quelques trucs pour de la mécanique, pour me dépanner au cas qu'il arrive quelque chose. Tu sais, ça reste toujours que c'est un véhicule à essence roulant. Il peut arriver n'importe quoi. Ça fait qu'il faut être capable de se dépanner. Pour être capable au moins de se rendre jusqu'au prochain garage. Fait que... on a de la place. Aussi, ce qu'il y a, c'est qu'il a fallu que je puisse concevoir tout pour être capable de cuisiner, puis on cuisine à l'extérieur. Ça veut dire que tout est conçu pour, au début, le premier rangement, c'est vraiment pour mon poêle. Après ça, ça a été pensé pour avoir un minimum de largeur pour mon cooler que j'ai.
C'est celui-là que j'ai. Ça fait que j'ai conçu le rangement par rapport à ce que j'ai. De toute façon, c'est du Coleman. Là. Ça se vend en marche à Canadian Tire. Puis l'autre côté, pour celui-là, j'ai conçu la largeur pour avoir l'équivalent d'un réservoir d'eau puis un petit lousse là, pour être capable d'être glissé puis d'avoir un petit peu de place sur le côté pour mettre d'autres trucs là, pas trop larges, mais comme une toile ou quelque chose comme ça, là, roulé en boule. Fait que c'est un petit véhicule, puis il faut réfléchir, puis ce projet-là, c'est ça que j'ai aimé, c'est que il fallait que je me casse la tête pour avoir tout ce que je voulais dans un petit espace. Ce que je voulais un lit grand format, 54 pouces par 72, un vrai lit queen. Non, un grand lit double, je pense que c'est ça. C'est le même que ça s'appelle 54-72. Je voulais pas faire de concession par rapport à ça parce que je me disais, si je pars avec Adèle, ça nous prend de la place. T'sais, même si on aime ça dormir en cuillère, c'est le fun aussi d'avoir notre petit espace. Quand on dort dos à dos. T'sais, je veux pas être pogné. Je voulais avoir de l'espace. En même temps, je voulais avoir un petit setup s'il pleut, une petite causeuse, quelque chose comme ça, pour être capable de s'asseoir à l'intérieur du véhicule. Vu que dans ce véhicule-là, on ne peut pas vraiment virer les sièges, c'est impossible, c'est pas fait pour ça. Je voulais avoir une place pour une toilette, donc il fallait que j'aie un petit espace pour être capable de glisser la toilette, de faire nos trucs, puis de la refermer sans que personne le voie, pour que ça reste quand même agréable à l'usage, puis que ça soit aussi accueillant quand on reçoit du monde, t'es pas une toilette dans le fond, dans ta face. Puis ça fait qu'il a fallu que je conçoive aussi un air qui est, mettons, je le mets en parenthèse, mais qui est comme notre garage. Dans le fond, c'est qu'on a tous nos rangements de systèmes utilitaires. Puis à cause du fait du garage puis de la hauteur de de notre matelas, on n'était pas tant c'était pas tant agréable de pouvoir avoir un chilling spot dans le fond, dans l'espace du garage. On est courbé, ça fait qu'il a fallu que je fasse un chilling spot en arrière du siège conducteur-passager pour être capable de redropper la zone, pour être capable d'être bien assis puis avoir du dégagement pour la tête, ce qu'on pouvait pas avoir sur la partie fixe qui se trouve être le garage. Ça l'implique qu'il faut qu'on fasse des petits systèmes mécaniques de rehaussement puis tout, mais tu sais, c'est là que je me suis cassé la tête, que j'ai trouvé ça le fun. Des fois, on peut dire que c'est peut-être un peu compliqué pour se rendre jusqu'à avoir un grand lit 54 pouces, mais c'est parce que c'est là qu'il a fallu que je concède à un certain point. C'est moins facile, c'est moins convivial, mais c'est conçu pour qu'on puisse être capable d'avoir tout ce que moi je voulais avoir. Un fauteuil, un lit grand place, un lit solo, un espace pour avoir une toilette. Ça fait que ça fait bien des trucs à mettre dans un petit espace. J'ai réussi, je suis vraiment fier de ça. Puis en plus, ce que je suis fier, c'est vraiment que j'ai fait une menuiserie de qualité avec des matériaux haut de gamme. Les assemblages sont vraiment top, puis je suis vraiment content de tout ce que j'ai fait, surtout comme autour de la porte ici, là. Je vous montre ça. Ça a pris du temps à concevoir puis à comprendre le principe parce que j'avais une pente de 20 degrés puis à un moment donné, j'ai mis ça complètement à l'envers. Ça m'a pris du temps, mais à un moment donné, j'ai fini par l'avoir. Mais ça a fait vraiment quelque chose au-delà de mes attentes. Une autre belle réussite, c'est ma capucine. L'espace qu'il y a ici, avec toute la finition en tour qui est vraiment quelque chose de super propre. Puis ici, dans le fond, je suis capable de mettre comme c'est là. J'ai empilé mon panneau solaire. J'ai une table pliante pour être capable d'extensionner nos plans de travail quand on cuisine. On a nos chaises de camping. Ce sont vraiment des chaises de randonnée. Genre qu'on a vraiment. On est bien assis, mais c'est une petite chaise, puis on n'a pas le choix. Quand on veut tout avoir, hein, il faut faire des choix, puis des fois, il faut rapetisser pour avoir tout ce qu'on veut. Ça fait que moi, je suis content de ma chaise. Ça fait quelques années que je l'ai, puis je la traîne partout. J'ai pas besoin du gros setup
avec le fauteuil inclinable, puis que ça pèse une tonne, ça mesure à peu près 6 pieds de long. Dans cette technologie-là de chaise de camping randonnée, c'est full confortable, c'est full léger, ça prend pas de place, je me contente de ça, je suis bien content. Après ça, ben le plafond, ça ici, les joints. J'ai aussi acheté une mini corde à linge. C'est parce que des fois, quand on profite de la plage, on veut faire sécher un petit peu nos affaires, mais là, on est prêt à partir sur la route. Puis je voulais pas déposer ça nécessairement directement sur le lit. Puis de le suspendre, il n'y a pas grand place. Fait que je me suis fait une petite mini corde à linge. C'est de la cordelette dans le fond, qui est la même cordelette que ça ici. Puis que ça ici. Je trouve que c'est un beau rappel, puis ça fait aussi, ça rajoute une petite touche camping. Tu sais, ça, c'est une cordelette que ça fait longtemps que j'ai dans mes affaires, puis je me suis dit que ce serait le fun de... un petit clin d'œil à toutes les aventures qu'on a vécues. La petite cordelette que j'ai tout le temps avec moi. Fait que c'est un paquet de... j'espère que c'est le genre de détail qui va vous allumer, qui va vous inspirer un peu. Un autre petit détail que je trouve le fun, c'est qu'en vous jasant et en regardant un peu dans l'écran, que j'ai remarqué que je devais vous parler de ce petit détail-là, qui a de l'air de rien, mais qui est un méchant casse-tête parce que ici, on a un angle, ici, on a un autre angle. Faut jointer ça avec le grand morceau qui est là. Tout ça est un beau casse-tête parce que dans le fond, le résultat, il est là. On le voit. La courbe que ça donne. Je voulais pas faire ça carré. Ça aurait pu être facile. Ça aurait pu être pas mal moins long, mon affaire, si j'aurais fait ça. Sauf que ça aurait jamais été aussi beau que ça. Puis ça a été un peu la thématique tout le long. Quand j'ai fait ça, je me suis dit c'est beau. Ça fait que, tu sais, dans le fond, je vais continuer un peu le même principe avec la capucine, avec le garde-manger, avec les petits rangements pour les épices site, avec mon petit rangement qui est là. Tout est en courbe, même si c'est plus compliqué. Je pense que ça valait la peine d'y aller dans ce sens-là parce que ça donne quelque chose qui va être complètement différent. Puis quand le monde va regarder l'intérieur de mon véhicule, ils vont vraiment être époustouflés. Fait que je pense que c'est ce qui complète le tour de mon aménagement dans un petit Ford Transit Connect 2012 à 160 000 km. Je pense que c'est important de mentionner le nombre de kilomètres parce que c'est assez rare dans ces années-là d'avoir un véhicule avec aussi peu de millage. Puis malgré qu'à l'extérieur, quand on la regarde, il y a des petites bosses, il y a des graphings, un plastique en avant qui est cassé, pour moi, ça me dérange pas parce que ça se ramène. Ce qui est important, c'est les sols. Les sols sont super belles. Quand on l'a eu, quand on a vu ça, on a dit « crime, on est chanceux » parce que quand on est allé sur la Côte-Nord, vous l'avez vu dans mes aventures, la petite safari condo là, qui avait 320 000 km, j'avais pas le goût de ça. C'est pour ça qu'on a rajeuni le véhicule, puis c'est pour ça que j'ai magasiné mes véhicules par rapport à la rouille, au sol, mettons, ça me dérangeait pas de le voir, le véhicule bossé, graffiné, avec des plastiques cassés. Moi, ce que j'ai regardé, c'était surtout ce que j'ai vu comme problème avec mon Safari Condo, les causes que ça pouvait amener, les problèmes que ça pouvait amener quand la rouille embarque dans un véhicule. Celui-là, il est super propre, ça fait que je suis content de mon achat. Fait que là, il reste juste à rouler avec ça pour avoir du gros plaisir. Ça fait que je vous encourage à pouvoir essayer ça, vous aussi. C'est quelque chose qui nous sort de notre routine puis qui nous pousse à réfléchir. Ça fait que si vous trouvez que j'ai eu un paquet de bonnes idées, abonnez-vous,
actionner la petite cloche pour voir les nouveaux vidéos arriver en primeur. Après ça, mettez un petit pouce en l'air pour m'encourager puis montrer que vous avez aimé toutes les idées que j'ai apportées par rapport à ce projet-là puis les innovations que je vous propose. Puis partagez la petite vidéo pour montrer aux gens qu'il y a moyen de faire quelque chose de vraiment cool dans un petit véhicule. C'est pas obligé d'être toujours un gros Savannah ou Econoline ou aussi les beaux petits sprinteurs, même si, j'avoue, je suis un peu jaloux de voir ce qu'on peut faire là-dedans, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose vraiment sacoche dans un petit véhicule. Ça fait que, si ça peut inspirer d'autres gens de prendre des petits véhicules puis de faire quelque chose de vraiment sacoche dans un petit véhicule, ben partagez-la en grand nombre. Puis, ben moi, je pense que c'est là-dessus que je vais vous laisser parce que cette petite visite-là de mon véhicule prend beaucoup de temps. Puis pas nécessairement vous accabler davantage. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une belle journée. Puis profitez de l'été, l'automne qui s'en vient pour pouvoir continuer à faire des beaux road trips. La belle température est encore là. Faut en profiter. Fait que moi, je vous laisse là-dessus. Ciao!